هذوك لي مال على ما ضربهم شويه ستاندينور لا عاد مانيش متبعدين واش السبب لا لا فريم فرانشمون ني دون لو باشيلي Sachant que tout notre travail va se baser sur la salinité, on va aussi s'inspirer du paysage. Là, donc, comme je disais tout à l'heure, on est dans l'extension du bas-relief, on est dedans, franchement, et on travaille, on s'inspire de cette région pour faire montrer aux gens, aux autorités, la richesse de cette région. Mais seulement, il faut mettre les moyens pour sauvegarder ce site agréable, extraordinaire, qui est le Bachilif. Pour encourager les gens à rester dans cette région. Et... Donc, ce qui m'arrive généralement quand je peins un paysage, ce qu'il y a de bien, c'est que déjà, c'est des expériences pour moi pour scruter les espaces autrement. C'est vrai que bon, là, on est confronté au dessin, du respect un petit peu de ce qu'il y a devant nous. Mais toujours est-il que l'intérêt, c'est par rapport à la lumière d'aujourd'hui. Al-Aql va essayer de profiter des différentes surfaces colorées qu'il y a devant nous, atténuées par une lumière très très douce. L'intérêt de tout ça, c'est peut-être d'être un petit peu figuratif, de faire des expériences à des peintres de la nature. Bon, nous, c'est par rapport au projet qu'on est en train de travailler. Pourquoi pas, c'est toujours louable. Et quoi de bon que de scruter de beaux paysages pareils. Voie de passage essentielle, par sa localisation et son orientation, la large et profonde vallée du Bachelif a été historiquement un lieu de rencontre entre peuples, cultures et civilisations. À vocation agricole, le Bachelif constitue une campagne vivante. L'agriculture a façonné ce terroir, lui a donné une identité. هنايا رانا في السوق الاسبوعي لولايه غليزان وهذا واحد من اكبر اسواق في الجزائر كل خميس يتلاقاو المربين من كل انحاء الوطن ويجوا هنايا يشرو على بعضهم بعض كاين اللي يشري يدي الباطور يذبح كاين اللي يشري يدي سوق واحد اخر يعاود البيع وكاين اللي يدي يكسب يربي وهذا السوق ما فيهش غير المواشي فيه حتى المواد البينه فيها لي بيبينيس يبيعوا الاشجار تاعهم الارض هذه راهي في البيريميت ايريغي دو لامينا في لا ولايه غليزان ورانا درنا هاد ليكسبيريونس رانا نغرسوا شويه زيتون هذا الزيتون سي لوليف دو طابل اللي غرسنا عندها ان موا من اللي غرسناه ولا تير هنا لي تري بون كان عندنا بروبليم تاع ما نهار الاول دروك اون بلي دو بروبليم دو البارج راه فيه الماء غادي يديرو لنا فوراج كوليكتيف دونك المشكل تاع الماء ما يبقاناش
ورانا في ثاني في الدومين تاع ليلفاج تراديسيونيل هذا. Dans le bas-chélif, les fellahs ont su résister aux aléas historiques, aux sécheresses et à la salinité pour y installer une agriculture énergique. Aujourd'hui, la profession agricole se tourne résolument vers l'avenir, en formulant ses problèmes, mais aussi en détaillant ses projets. Depuis Ibn Khaldoun, qui mentionne les Maghrawa établis sur le chélif, plusieurs travaux scientifiques ont été consacrés à cette plaine. Poètes, peintres, musiciens, écrivains ont évoqué l'histoire très riche de la plaine. Construire sur cet héritage de rencontres entre art, science et agriculture ont lieu autour des problématiques d'aujourd'hui et les projets d'avenir de ce terroir. Artistes, scientifiques et fellahs s'exprimeront à travers œuvres d'art, contributions scientifiques, photographies et témoignages, facilitant ainsi un dialogue entre différentes cultures et professions. Des regards croisés pour une science ouverte sur le monde, un art sensible aux phénomènes de société et un mode agricole tourné vers le changement. هنا فيها فيرجي تاع ربع قطارات كليمونتين وكنا في الفيرجي كبير من هيه عندي 15 قطار فيه عنده 47 سنة غرسه الشيء المرحوم الله يرحمه وراكم تشوفوا السنة عام تاع جفاف السنة العام اللي فات عام تاع جفاف زقيناه بالحسيان والحسيان مالحين وراك شفت شطبت الشجرة والغلة جات قليلة ما جاتش ما تكوفريش وراك تشوف هنا هذا فيرجي تاع 8 سنين عنده 8 سنوات من تشوف الشجره تقول عندها هي 3 سنين ولا 4 سنين كاين دي فيرجي اللي وين ما عندهم الارض حلوه والماء حلو راه الفيرجي تاعهم يغطيني انا تاع 8 سنين يغطيني تاع 8 سنين راهي تعطي بالاقل 70 كيلو في الشجره هذه راهي ماش تعطي تاع 15 كيلو في الشجره هذه داروا ما تكوفريش رانا درنا لها كاع قال الاخر درنا لها لي زونغري دو فون درنا لها لو فيمي اللي راهم يقولونا نديروها حنايا نتمناو ان شاء الله يجونا دي شرشر يفهمونا يورونا يديرونا لاناليز دي سول ابروفوندي يعطونا ان ميثود دو ترافاي رانا نخدمو تراديسيونيل ونطلبو فاني باه يورونا لو غوتا غوت لا فيرتي ايريغاسيون كيما راهم يديرو شي دول راهي عندهم كلش بالغوتا غوت حنا فاني باه الشجره مادامها صغيره هكا توالف غوتا غوت نتمناو حنا باه يجورونا حنا نمشو مع هذه انا شوي بور لا ريشيرش انا نمشي انا كون يجيني ان شرشر ويقول لي اش دير واش دير نتبعه رانا رحنا شفنا عند ناس اللي عندهم دي فيرجي كبار وداروا لهم الكوتا كوت ومشاو مع لا ريشيرش راهم ملاح راهم ملاح. L'artichaut, culture phare de Relizane, très adaptée au contexte salin, a connu des moments difficiles depuis les années 90 suite au manque d'eau. De 5000 hectares, on est passé à 1200 hectares. Les variétés locales dégénèrent. Pourtant, un groupe d'agriculteurs essaye de réinventer de nouvelles modes de production. Nouvelles variétés, constitution d'une coopérative, l'exportation. Dans le bas-chélif, on invente l'artichaut de demain, moteur du développement. La vision qu'on a dans l'avenir, Inch'Allah al-Arabi, c'est de créer une coopérative pour le développement de cette spéculation qui a donné des résultats. En principe, avec la tajriba de Asna, nous sommes optimistes. Alors, Inch'Allah, on va développer donc, la carrosserie à Anna. On a une petite pépinière. On a un développement pour nous développer
هذا الخرشف اللي لا بيردو سا سافور القديم on a en introduisant les nouvelles variétés avec les nouvelles techniques d'irrigation et de fertilisation. Mais au fur et à mesure de notre démarche, de nos opérations d'exportation, on a rencontré des problèmes au niveau de la production. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas offrir, pour cette activité d'exportation, on ne pouvait pas offrir un produit si on ne le faisait pas nous-mêmes, si on ne le produisait pas nous-mêmes. Parce que sur le marché local, il n'y a pas de disponibilité de marché qui est destiné à l'exportation. Donc il fallait bien s'occuper également de tout ce qui est production. Et c'est ce qui nous a en quelque sorte retenu ou bien concentré nos efforts essentiellement sur la production pour pouvoir trouver de quoi exporter. Dans le cadre de notre activité d'intéressement pour la production et pour quand même essayer de voir d'autres régions qui ont une histoire sur la production de l'artichaut, donc on a fait une tentative au niveau de Relizane pour voir si on peut avoir un produit qui puisse être exporté. Pourquoi ? Parce que la région de Relizane, qui est habituée, qui a des habitudes de production en matière d'artichaut, mais le seul inconvénient qu'on a, c'était une appréhension à l'école de Hal qui concernait les gelées. Parce que les exigences du marché extérieur, qui nous demandent une qualité, mais vraiment poussée, et afin d'être compétitif également sur les marchés, il fait une tentative d'organisation pour mettre en place une coopérative artichautière dans la zone de Relizane. Ça, c'est des tentatives qu'on espère concrétiser incessamment, qui nous permettra, premièrement, de travailler dans la sérénité et de mettre quand même les producteurs dans une situation qui leur permettra à l'avenir de travailler eux-mêmes dans la tranquillité. Au niveau de Relizane, un bel avenir, parce que le sol, la région s'y prête, et historiquement la main-d'œuvre est qualifiée, il lui reste uniquement une question de, on va parler encore de mise à niveau au niveau de la production, ça leur permettra de s'imprégner des nouvelles techniques, s'imprégner de la science, et ce qu'elle offre actuellement en matière de production de l'artichaut, puisqu'on parle de ce produit-là, plus un débouché qu'on peut assurer en tant qu'exportateur pour ce produit, je pense que tout ça peut contribuer à un bon développement de l'artichaut dans la zone et en même temps apporter quelque chose à l'agriculture dans la région de Relizane. Projet Sirma, régulièrement, ça fait maintenant la troisième année que nous organisons des stages collectifs d'étudiants sur différents terrains. En Algérie, on a déjà réalisé deux stages sur la Mitidja et c'est le premier cette année, donc en 2008, qui a lieu sur dans la vallée du Bachelif. Donc ces stages, en parallèle, on a d'autres stages du projet Sirma qui ont lieu au Maroc en ce moment même, où des étudiants algériens participent ainsi que des encadrants algériens. De la même manière, cette année, on a dans ce stage une mixité de population d'étudiants, des Algériens bien sûr, de différentes disciplines, puisque une des innovations, c'est la participation de l'École des Beaux-Arts, l'INA d'Alger et également l'université de Chlef, avec nos collègues marocains de l'École nationale d'agriculture de Meknès et de l'Institut agro-vétérinaire Hassan II. L'intérêt que présente ce stage pour nos étudiants, c'est de leur offrir l'occasion de mesurer la complexité des situations réelles en réalisant en groupe, dans un cadre interactif, un travail sur le terrain, des thématiques. Alors ces thématiques ne sont pas choisies de façon fortuite, elles ont été conçues et élaborées avec des acteurs de l'eau, parce que les thèmes sont en relation avec la gestion de l'eau
au niveau d'un périmètre irrigué, ou si vous préférez la gestion de la pénurie d'eau sur un périmètre irrigué. Et pour cette année, nous avons choisi le périmètre du Bachilif qui se situe dans une zone semi-aride. Vu le nombre des étudiants, ces thématiques ont été proposées aux étudiants. Des thématiques, donc vous avez le problème des arrangements de l'eau, le problème en relation avec la technique du goutte à goutte qui commence à se développer dans cette région, et tous les problèmes inhérents aux cultures, en particulier l'arboriculture et la culture d'artichaut, où une certaine, on a constaté qu'il y avait une certaine dynamique au niveau de cette région pour cette culture. Aujourd'hui, nous sommes sur la partie thématique artichaut. On sait que dans cette région, c'est l'artichaut qui est la culture prédominante et qui est très bien développée. Et nous avons donc voulu, à travers cette thématique, essayer d'analyser la situation de cette spéculation à travers les problèmes rencontrés par les agriculteurs au niveau de l'itinéraire technique, au niveau de la commercialisation. Et donc par rapport à cela, le stage d'immersion des étudiants consiste à les mettre en contact direct avec la réalité du terrain et voir comment est réalisée cette spéculation dans les conditions actuelles. Conditions de difficulté de disposer de l'eau, conditions de difficulté d'obtenir les intrants, engrais, produits phytosanitaires, conditions aussi de gestion des terres, puisque dans la majorité des cas, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs locataires sur des parcelles appartenant soit à des EAC ou bien à des privés. Et donc l'objectif pour ces étudiants, c'est d'essayer, à travers des questions posées aux agriculteurs, de faire une approche de cette spéculation et voir dans quelles conditions elle est réalisée. La plaine du Bachilif qui s'étend sur plus au fait de 60 000 hectares est caractérisée par une salinité qui s'étend sur près de 80% de la superficie totale. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à cette dynamique de la salinité, c'est que dans les années 50, si on se réfère à la carte qui a été établie par Boulen, il y avait 30% de sol qui était uniquement touché par la salinité. Aujourd'hui, on se retrouve à 80%. Et donc là, vous imaginez un petit peu cette rapide évolution du problème de la salinité qui pose un problème à la fois agricole, bien sûr, puisqu'on est au fait dans un périmètre irrigué, mais également environnemental. Il y a la plaine de la Gara qui est un meilleur exemple où un peu plus de 10 000 hectares qui sont totalement abandonnés parce qu'il y a du sel. Les sols agricoles également ne sont pas épargnés. Il y a des sols agricoles, il fut un temps, enfin pas très longtemps quand même, quelques années, qui étaient encore irrigués. Maintenant, ils ne le sont plus. D'ailleurs, il y a un travail qui est en train de se faire dans le cadre d'un master pour essayer de quantifier des parcelles qui, à un certain moment, étaient irriguées et qui donnaient des rendements très satisfaisants et malheureusement qu'ils ne le sont plus pour le moment. Le Bachilif agricole a connu des hauts et des bas, suivant le rythme des pluies et l'apport de l'irrigation. Depuis une vingtaine d'années, une pénurie d'eau sévère, généralisée, s'est installée. Les agriculteurs y font face péniblement. Pourtant, on commence à voir des réactions encourageantes. L'installation de forages individuels et collectifs, l'introduction du goutte à goutte sont autant de signes de cette réactivité. Dans la zone de la 3, on est dans la zone de la Ouedri, où il y a des Ghilizan.
رانا هنا مجموعه كل واحد راه ينتج روحو كاين اللي غرس لا نوفال بلونطاسيون وعندنا هنايا هذه شجره كبيره عندنا على كل حال هذه شجره كبيره هنايا ولا نوفال بلونطاسيون هذه اللي رسناها جديده اش هي لك الحاجه حنا اللي راهي ناقصه علينا حنا لانغري راه غالي علينا باش دير له ثلاث خطرات دير له تاع لا برودكسيون تاع الانتاج ودير له تاع الغله ودير له تاع باش يجبد على كل حال راه غالي رانا نديرو خطره والماء راه قبالكم هنا راه ناقص على كل حال راه ناقص الماء نقص المياه نقص المياه هنا علينا هذا على كل حال هنا اللي رانا نطالبوا باش يعاونونا شويه في لانغري ما كاش لا لا تريتي انت عارفين قهر لانغري عارفين قهر تما ما بغيناش نهربوا ونعانوا نسكنوا الفيلاج ولا نسكنوا في الاخرين زعما من حاجه ما تيباش الشجره قدامك تموت تريتي انت ما كاش تطلب الماء تاع دارك يقول لك ما كاش يقول لك انا جات للدين والوهرن احنا برك شجره على بان خدموا هذا رانا نعانوا نخطفوا منه من بالزقوا هذا احنا ما لحقناش يا ولدي انا نقول لك كي دير 1000 قطار ما تلحقش هم تخدمهم وما تلحقش ليا الدنيا على راهي تهرب وتخلي وتهرب الفيلاجات من ما قوتها بالشي زيد انا يا شيخ دم من يسبو يعاني كيف تيقعد معاه لا ما يقعدش معاه هنا يكون الفلاح مسقم ما كانش رافد 1000 بنادم هنا الفلاح الفلاح يقسم مع الحكومة كي يكون يخدم نقولوا 40 واحد ولا 50 واحد كل فلاح يقدم 50 ولا 60 ماشي ما نقولش على الحكومة ما تكونش العزمة بصح اليوم العزمة إلا حقت تا في الفلاح هو راه يحوس اليوم يخدم البترول يروح والفلاحة تبقى الفلاحة تبقى من فريت لفريتنا والبترول وها بالصوالح كاع يروحوا بصح الفلاحة تبقى لنا هي الفلاحة هي أساس الدنيا احنا ما يبقاش البابور يجيب لنا من الخارج تبقى لنا الفلاحه تاعنا نخدموا فلاحتنا هنا عندنا هنا يا تبارك الله لا التراب تاعنا ذهب ومين ما كاش المقام وسمحوا فيه وسمحوا في كل شيء سي راحت البلاد مين ما كاش الماليه للاخر وما كاش لجنه اللي تراق ما كاش لجنه اللي تجي تشوف الفلاح كي سرق قصك زعما قصك فالبترول يكمل عنده نهايه وين يكمل وتبقى الفلاحه انا اللي تفكر ما يسيبش الفلاحه ما يحط عليها عنده على يده يحط عليها مين يسمح فيها هي تسمح فيه Beaucoup de choses ont été imposées aux fellahs durant ces dernières décennies. Assolement obligatoire, coopérative étatique, libéralisation des échanges. Pourtant, les fellahs du Bachelif ont su résister dans des conditions climatiques difficiles aux changements institutionnels. Aujourd'hui, on note l'émergence d'initiatives individuelles et collectives de fellahs pour dépasser les problèmes d'aujourd'hui et concrétiser les projets d'avenir. Quelle est la vision d'avenir des fellahs et comment la réaliser ? Quelle est la place des jeunes dans le chélif ?